Salut à tous, c'est Shine71 en compagnie de moi pour vous présenter une map aventure que mon ami Alexis a faite, qui est juste à côté de moi, mais malheureusement ne peut pas parler car le micro ne peut l'entendre que moi. Donc je vais vous présenter sa map. Nous commençons ici, assis au bord d'un bûcher, d'un feu. Ça pourrait être plus cool la nuit, mais malheureusement ça n'est pas le nuit. Donc, allons voir. Donc je spécifie que ce n'est pas la première fois que je la vois, mais que c'est la première fois que je la montre en vidéo. Il s'est lui pris environ, il a dit 1 heure, on va dire 2 heures, il a dit environ 2 heures à tout faire ça. Donc on commence ici par la maison principale avec tout ça, les arbres. Donc je sais pas qu'est-ce que ça a l'air. Désolé, j'ai un petit bug. Chambre de fruiteur. Oh, il a passé à la TNT. Oh, c'est tout chou. Oups. Oups. Oh, c'est vrai, je suis en créatif. Bon, donc ça c'est la chambre à fruiteur, un petit lit, de la TNT, tout à fait chouette pour fruiteur. Et ici, chambre à 671. Oh, c'est ma chambre. Oh, je suis fatiguée. Moi, je peux pas dormir. Oh, c'est tout chaud. Donc. Oh, mon Dieu. Non, sérieux. Donc, je sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'adore cette maison-là. Je trouve qu'elle a un chambre de... Chambre de qui? Je sais pas. Ok, c'est chambre de personne. Bon, ben... S'il y a quelqu'un ici qui s'appelle personne dans Minecraft, ben c'est ta chambre, hein? Ça peut gêner. Donc, ici, il y a la cuisine. Et tout ça. Et ici, il y a un petit bunker. Que j'aime bien. Parce que il a pensé à tout. Hein? Même à Fruiteur qui lui pourrait peut-être venir pour mettre la TNT un peu partout. Il a même pensé au bunker. Intelligent, non? Donc, en fait, voici le petit bunker. Nous allons ressortir pour voir ce qu'il a fait d'autre. C'est un peu, on peut dire un peu style restaurant, bar. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les films, genre des coraux comme ça. Ah, c'est quelque chose. Ok, non, c'est rien. Donc, vous voyez ça. Donc, nous sortons pour aller voir le reste de la maison. Et puis, là-bas, ça se continue pas. Oh oui, je vais y aller tout de suite. Ici, il a pensé à tout, même un stand de tir à l'arc. Arc, par exemple, j'ai pas de flèche. Arrow, boom. Donc là, je peux m'amuser à défier mon ami à pogner le centre. Rien de trop difficile. Oh mon Dieu. T'aurais dû penser à quelque chose d'autre, Alexis. Genre, quelque chose de plus difficile. Pas trop facile ton truc. Donc, oh désolé, j'ai un petit bug. Donc, ici, ça c'est une maison de villageois. Toute simple, hein, rien de trop. Ici aussi. Ça, c'est un pont. Il y a quelque chose en dessous? Non, c'est juste un petit pont comme ça. Et ici, il a même pensé à faire une petite chute que je trouve quand même assez chouette. L'architecture, comment ça a été fait. Vous voyez que c'est quand même très très beau. Il y a même un petit pont. Et j'ai vu l'autre fois que ici, il y avait un petit passage secret qui était capable de mener juste ici où ça mène. Un passage secret pour pouvoir sortir en douce de la maison. Donc c'est chill, c'est cool. Et si jamais vous vous intéressez à ce truc-là, vous allez devoir malheureusement payer des droits d'auteur à Alexis. Oups. Oh merde. Oh, désolé. J'ai rien foutu. Ah, c'est ça. Donc, ici, nous sommes à la dernière pièce de cette magnifique map, qui est la piscine. Donc ici, nous pouvons nous baigner en toute sécurité, même par un temps de pluie. On va même vérifier. Même par un temps de pluie, nous pouvons baigner avec un bon seau de lave en dessous. Rien de trop. Donc, c'était un... Oh, tonnerre. Donc, c'était une petite vidéo comme ça pour vous montrer sa magnifique map. Et pour vous montrer aussi quelques idées d'architecture, donc le pont, ça. Et je pense peut-être, si Alexis veut bien... il est juste à côté. Moi, j'avais même demandé, crois-tu qu'un jour, tu voudrais faire une série de déco? Ok, donc, il pourrait faire une série de déco avec nous, en présence de Minecraft entre amis, car après tout, c'est pas Minecraft entre amis, mais Minecraft entre amis. Et nous sommes là pour jouer à Minecraft entre amis. Donc, c'était 571 pour vous montrer cette petite map chouette de mon ami. Et on se revoit pour une autre vidéo. Allez, ciao!